c'est bon. Donc salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Warp Zone CFCS, j'espère que vous allez très bien. Donc on se retrouve cet après-midi pour une run, peut-être même deux, sur Resident Evil, donc le remaster HD, qui est sorti cette année sur toutes les plateformes, il me semble. Donc voilà, donc je me suis relancé sur mon compte à. Je me suis relancé à refaire tous les trophées du jeu. Et comme Resident Evil, c'est un jeu qui est quand même sympa à streamer, je me suis dit, bah écoutez, de toute façon, comme j'ai des trophées que je dois faire qui méritent clairement d'être streamés, autant le partager avec vous. Donc, comme c'est indiqué dans le titre, donc, je vais tenter d'abord la run avec Chris, donc en débutant. Donc voilà, là normalement il n'y a pas de gros challenge, c'est pas bien compliqué normalement. Faut juste que je fasse gaffe un moment contre les hunters. J'ai essayé de la passer hier, j'en étais pas loin, mais je me suis fait troll par un hunter qui m'a one shot. Donc on va essayer de pas se faire avoir cette fois. Donc voilà, donc uniquement au couteau avec Chris, donc en débutant, et sans sauvegarde. Logiquement, si je m'en sors bien, je devrais finir ça en moins de 3 heures, clairement, moins de 2 heures, hein, je pense même. Et suite à ça, donc dans tous les cas, si je le passe ou si je le rate, puisque je le fais sans sauvegarde, je tenterai derrière la run, donc en normal cette fois avec Jill, en moins de 3 heures pour débloquer donc les trophées. Running Man et je ne me rappelle plus du nom de l'autre pour le Samurai Edge. Donc ça me débloquerait en fait en moins de 3 heures en normal, ça me débloquerait donc les deux armes bonus. Et j'aurais déjà bien avancé sur mes trophées puisque j'en suis déjà à une quarantaine de pourcents, je crois à 40-42%. Donc après il me restera bah des petits trucs comme brûler deux zombies morts en même temps ou les modes bien sympas comme le mode survie, le mode invisible à faire. Mais ça j'y reviendrai et je le streamerai sûrement pour votre plus grand plaisir. Du coup, donc on va pas se lancer en survie. Resident Evil. Un nouveau costume pour Jill. Ah oui, c'est le costume Sarah Connor. Bon, allez, hop. Allez, c'est parti. On sent ça. Donc, n'hésitez pas à me dire au niveau de la qualité si ça va, si le volume de ma voix est assez fort. Voilà, tout ça. Normalement, vous devriez pas trop buffer avant que vous ayez une connexion qui sort de je ne sais où. Alors du coup, pourquoi j'ai mis en fait le chat sur le stream parce que je n'aurais pas la vue sur... Je n'aurais pas la vue sur le chat via un écran annexe. Donc... Ah oui, d'accord, ok. Bon, attendez, je vais changer juste l'affichage. Parce que là, le 4 tiers, ça fait... Ouais, non, là, c'est 3. Voilà. Allez, voilà. Ok. Tous zombies. Hop, on s'en fout. Clairement, en débutant que au couteau avec Chris, c'est pas bien compliqué, hein, puisque l'avantage de Chris, c'est que il est quand même relativement plus résistant que Jill aux morsures et aux dégâts. J'ai l'impression d'ailleurs aussi qu'il se libère, qu'il avait repoussé les zombies plus facilement. Voilà, donc là, le flingue, on s'en fout. Attendez, hop, voilà, tac,
Donc c'est pareil, hein, à savoir pour le trophée, donc le Uber Skills, donc trophée à faire uniquement au couteau, sont à proscrire. Ah! Pousse-toi la mouche. Tout ce qui est équipement tactique, c'est-à-dire les couteaux et les grenades, du coup, avec Chris. Et également, interdiction de brûler les zombies. Et l'autre truc qui peut vous faire foirer le préfet aussi, c'est. Ah oui, écraser les. La tête des zombies quand ils sont au sol. Voilà, ça aussi, ça vous fait. Foirer le trophée. Voilà, petite chose à savoir. Ça évidemment, ça on le ramasse pas. Là, on va aller chercher la première clé du manoir. Hein. Alors, je le répète, hein, je ne suis pas un pro top runner des Resident Evil, hein. Clairement. Quand même du plaisir, hein. C'est vrai que je m'intéresse de plus en plus, mais on va dire que je débute hein, dans le système de run. Donc il peut qu'il y ait quelques ratés parfois. Non, hop, on va. Tac. Donc évidemment, le pistolet là, ramassez pas. Hein. Ça vous prend de la place pour rien. De toute façon, pour cette run au couteau, vous n'en aurez pas besoin. Donc là, les chiens, évidemment, qui n'apparaissent pas. Ne reviennent, enfin qui seront là que si vous prenez le couloir dans l'autre sens. Donc là, on va aller récupérer la première petite clé qui est ici. Donc pareil, le zombie qui se trouve dans la baignoire ici. Donc avec Jill, elle s'en débarrasse. En cinématique hein. Mais là voilà évidemment à ne pas tuer normalement il me semble que si vous approchez il peut vous choper le pied avant qu'il se relève et dans ce cas ça vous ferait votre trophée de tuer au couteau serait foiré. Donc là on va aller chercher tout simplement le l'engrais enfin le chemical. De toute façon, je vais ramasser donc la substance chimique. On va prendre une plante rouge aussi. Hop. Donc là, pareil, on combine. Par
contre, j'ai un doute savoir si je prends la dernière plante rouge au niveau de mes emplacements. Parce que de toute façon, ouais, de toute façon, non, ça sert à rien parce qu'après, j'ai encore des sprays dans la safe room vu que je suis pas encore allé. Non! Merci à la caméra de me troller. Salut Ikaz. Donc du coup, ça je peux le déposer. Ça aussi. Je vais ramasser la petite clé qui est là. Et bon, ça, je suis dans le normal. Et je pourrais ressortir. Et là, normalement, je vais aller chercher le sifflet qui est à l'étage. Par contre, le zombie, ah, il m'a suivi vachement vite, hein. Merci, au revoir. Donc voilà, évidemment, en débutant ici, il n'y a pas de zombies. Il y a beaucoup moins de zombies, hein. Clairement, c'est un peu une problématique de santé. Hein. En débutant, c'est un peu à découverte. Voilà. Demi-tour. Salut Adri. Donc là avec le sifflet et la petite clé, on va aller ouvrir. On va aller voir les chiens. Je vais aller récupérer la deuxième clé. Salut Adri. Ouais, ouais, voilà. Là, je tente la run que au couteau et sans sauvegarder, donc je suis en débutant. Et comme je disais, si jamais je la passe ou que je la rate, après je repartirai sur la run en normal avec Jill pour essayer de la faire en moins de 3 heures. C'est bon, je vais quand même prendre une plante histoire de me soigner. Voilà. Parce qu'on s'était déjà fait bouffer. Donc là, si je dis pas de bêtises, il faut que j'aille de l'autre côté. Merci à la caméra. Donc
quoi. Le Crimson qui se relève. Moi, j'ai déjà utilisé ça maintenant. Souvent, beaucoup de streamers le font quand ils sont devant, mais devant l'hôtel, mais. Hop, donc là on ramasse la clé, on dépose l'autre. Allez. Voilà. Non. Alors, j'ai jamais vu de run sur ce jeu. Il y a beaucoup de. Ouais. Resident Evil, c'est quand même pas mal, runné. Combien de temps tu estimes faire le run Night Only? Je pense entre 2h15 et 2h30, pas plus. Je pense pas. Par contre, je vais juste vérifier un truc. Est-ce que. Ah, ça va, j'ai encore normal. Logiquement, ouais, en 2h15, 2h30, c'est torché, hein. Si je me fais pas troller. Il y a juste quelques passages qui sont un peu chiants, mais. Donc là, on va aller chercher l'antidote pour le monsieur. Et si je me plante pas, si je me foire pas dans mes déplacements, j'ai même la possibilité d'aller chercher le premier masque au niveau de la plante avant de ramener le sérum à Richard. Voilà, donc là il va sortir maintenant. Là, maintenant. Bonjour. Donc pareil, hein, savoir les zombies qu'on faisait dans l'escalier, ils ne chauffent pas. Hein. Ouais, en mode normal, on le fait en 2h17. Mais en mode normal avec les flingues, hein. Là, ouais, en 2h17, ouais, on l'avait fait en normal en 2h17. Mais là, voilà, au couteau, je pense le faire peut-être en 2h30, quoi. Allez. Ah. Caméra.
Donc là, les deux zombies qui vont sortir de la fenêtre, classique. Bonjour. Donc là, on va chercher logiquement la dernière petite clé qui me sera utile. Hop là, salut. Et donc là, logiquement, au niveau timing, ça devrait être bon. Et capsule essence. Oui, voilà, ouais. Capsule essence, j'étais en train de réfléchir à ce que c'était. Oui, là, à la fin, dans le labo, oui, pour remettre le courant. Ouais, c'est les deux phases un peu galères. Puisque au couteau, avec les espèces de monstres qu'on ne peut pas tuer. Et en fait, la capsule essence, c'est une capsule, vous verrez. J'en parlerai quand je viendrai. Mais donc c'est une capsule qui permet de remettre le courant, donc on doit réalimenter. Et tout le temps où on a cet objet dans notre inventaire, on ne peut pas courir. Il est formellement interdit de courir, sinon on explose. Donc c'est assez contraignant sur la run Kokuto. Puisque bah, pour tuer les espèces de monstres Kokuto dans ce secteur là, c'est chaud. La dodge, c'est pas... C'est pas forcément évident. Bon. Est-ce que l'ami Richard est encore en vie? Yes. Richard's doing... Et les hunters, ouais, bah moi, comme j'ai dit, hein, c'est un hunter qui m'a troll sur la partie d'avant et... Et qui m'a tué, il m'a one shot. Donc, bon. Non. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le l'autre moitié de la partition. Donc on va retourner dans la zone où on avait vu Richard, hein, pour avoir la partition pour jouer le piano et débloquer la clé qui m'amènera à Yone, hein, au serpent. J'essaie vraiment de détailler un maximum, hein, justement pour les personnes qui ne connaissent pas forcément bien le jeu ou. Voire pas du tout même. Non. Voilà, c'est ça, c'est heureusement qu'il y a des plantes juste après. Parce que ces passages pour moi qui sont les plus chiants. Voilà, donc là le zombie qui était dans le couloir. Qui est rentré. Ça s'est récupéré. Hop là. Nickel. On s'en est bien sorti. Impeccable. Parce que le petit zombie, il a une petite pièce là qui fait un mètre carré là. Il est pas forcément simple à éviter, à dodge. Et là, on s'en est plutôt bien sorti. J'ai tout foiré. Je foire le plus simple et je réussis le plus compliqué. On va savoir pourquoi. Bon, là, je vais prendre ça quand même. C'est juste. L'herbe verte que je prends là, c'est juste de la garantie. Hein. Si jamais je me fais attraper ou autre, hein, mais. Dès que j'ai besoin d'espace, hein, je la bouffe et je la vire. Hein. C'est juste pour être safe. Hein. Donc là, au niveau du bar, hop.
Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le jeu, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Donc là, pareil, justement, j'ai pris une herbe verte parce que là, encore une fois, il y a un zombie. Allez! Ah. Tac. Donc là, j'ai besoin d'emplacement pour prendre ça. C'est un peu con parce que du coup, voilà, une seconde après, c'est combiné et c'est utilisé. Sure. But don't get too carried away. Ding. Non. Voilà. Donc là le zombie hein, facile à passer. Tu restes sur Resident Evil ce soir. Non, de toute façon je vais y jouer là jusque l'après-midi parce qu'après ce soir je ne serai pas là. Là je joue le temps de l'après-midi hein, après je décolle. Donc voilà, donc là, petite technique pour que Rebecca en fait termine de répéter. Vous revenez dans le hall et vous rentrez. Un peu comme avec Jill au tout début pour avoir. Pour passer rapidement la scène d'exploration dans le hall quand vous vous rendez compte que Wesker a disparu. Vous montez les escaliers avec Jill, vous redescendez et là, du coup, Barry vous donne le kit de crochetage aussitôt. Non! Putain, les réflexes quoi. Chris, Chris! Ouais, merci. Hop, on prend ça. On pose le vieux. Were you all right? Non, ça ne sonne pas. Bon, tant pis. Donc là, on retourne dans la salle à manger. On va récupérer la clé pour le serpent. Donc une clé hein, qui ouvre une porte. Hein. Truc bien sympa. Donc là pareil, hein, le but c'est de mettre la petite aiguille sur la case verte tout en bas, qui est à l'intérieur. Donc vous prenez le grand engrenage, une fois à gauche, continuez à actionner, grand engrenage encore une fois à gauche. Et là vous arrêtez, et ça va se décaler, ça vous délivrer la clé, tout simplement. Je me souviens hein, quand j'étais plus jeune, honnêtement, il était infâme ce jeu parce que tu comprenais rien, tu gagnais plein de trucs et tout. Tu dis, mais faut aller où, faut faire quoi. Chaque fois, tu récupérais des objets, tu savais pas où les utiliser. Donc, du coup, tu venais dans la salle, dans la safe room, tu entreposais dans le coffre. Finalement, après, tu découvrais la salle où il te fallait telle clé ou tel objet. Tu revenais pour revenir la redéposer. C'était juste infâme. Hein. Hop. Donc là, Yone.
Hop. Donc là pareil, hein. Je prends une plante au cas où. Normalement, je devrais pas me faire choper par par Yone, hein. Tard plus. Ciao, bonsoir. Donc là, je vais aller récupérer direct le troisième masque en fait, puisqu'il est juste à côté, il est dans ce couloir. Avec un peu de chance, vu que je suis allé vite, il n'est pas sorti. Donc là encore une fois, un énigme assez simple. La statue au fond à droite. La statue en bas à gauche. La statue en face, donc en bas à droite. Et ça pousse celle du fond à gauche automatiquement. Voilà. Du coup, ça on va utiliser. Voilà. Alors j'ai fait une petite astuce. Qui est bien sympa. Qui permet en fait de... Normalement... Juste après là je vais pouvoir jeter la... Ah non, je suis même pas sûr. Non, donc j'en ai encore besoin. Ah ouais, non mais c'est clair, hein. Quand tu connais pas le jeu, c'est... Si tu dis vas-y, je laisse tomber, il est pourri ce jeu. Et en fait, il est juste génial. Mais... Mais même là, hein, autant sur la version GameCube, cette épreuve-là était énormément simplifiée. Hein. Parce que là, c'est juste un, trois tableaux activés au niveau des couleurs. Alors qu'à l'époque, c'était fallait remettre dans leur chronologie en fait la vie, donc de la naissance jusqu'à la mort de la personne. Hop. Donc là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller poser les trois crânes et pas les quatre, parce que si j'active les quatre, il me semble que la porte se referme et je suis baisé. Donc on va en poser que 3. Et avant de poser le quatrième, en fait, on va retourner en arrière
pour aller chercher du soin avant d'affronter le prototype de Crimson Head. Espérant que je ne fasse pas bouffer par Alors donc on traverse ça. Hop. Allez, merci, au revoir, on se rappelle. Donc là, cette clé là pour moi, j'ai plus besoin. Et je pense que 3 ça devrait le faire. On va en prendre 4, ça coûte rien. De toute façon, j'en utilise au moins 1 voire 2. Ok, bon. Il y a un petit fail, mais ça passe. Impeccable. J'en ai pris 4, ouais bon c'est... Je pense que clairement j'en ai trop hein, genre... Je vais peut-être en utiliser 2. J'espère en utiliser que 2 maxi. Oh, allez, je suis en face là-haut. Merci. On va utiliser... Oh genre... Non... Allez, on se court après. C'est
C'est rigolo. Allez. Je... Bon, logiquement... Voilà. Donc deux, ouais. On a utilisé deux. C'est pas mal. Honnêtement, ça va. On suit relativement bien sorti. Donc ça c'est cool. La première fois, je crois que j'avais utilisé 3 soins. Merci Adri. À plus tard. Oui, de toute façon, on t'inquiète pas, on se capte sans souci. Allez, ciao, bonsoir. Je sais pas du coup si tu es parti à Saint-Malo ou pas. Si tu y es, bah amuse-toi bien et passe le bonjour à l'ami Axel. Oh non. T'as pour un demi-pas quoi. Donc. Bien prendre le spray et pas le la grenade. Hein. Vous seriez déçu. Après, vous pouvez toujours apprendre. Hein. Vous pouvez désactiver l'utilisation de la grenade tactique par défaut et voilà, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du coup. Ah, il s'est mis à... Voilà. Non mais oh. Yo et Corbac. Ok, ça marche, à tout à l'heure, Kaz. Et merci. Mmh.
Bon, le passage où j'ai le plus de mal hein, à esquiver n'est pas évidente. Hein. Son attaque est vraiment délicate à éviter. Hein. C'est vraiment. Ouais, mais pardon. Fais chier. Putain, j'avais réussi la première et je me plante à cause de la caméra, quoi. Dégoûté. Bon. C'est pas grave. Puisque là, y a deux plantes. Donc là, pareil, hein, je l'utilise pas puisque dans peu de temps je vais trouver une herbe rouge et peut-être même une herbe bleue, il me semble. Donc ça permettra de faire un mélange parfait. Allez, c'est parti pour la résidence cette fois. Hop. Donc là, en fait, ce que je vais quand même faire, je vais attendre d'arriver. Bon, ça va, je suis bien en face, c'est bon. Ok. Donc là, on va traverser la cour directement, hein, puisque sinon là on ne peut rien faire. On va juste traverser la cour et je vais arriver. Par contre, les corbacs, vous allez vous calmer direct. Voilà. Je vérifie juste. Ok, au niveau du stream, tout fonctionne bien. Alors là, hop, utiliser. On va ramasser ça. Comme ça, je pourrais me faire un mélange parfait. Hop. Voilà. Mélange qui peut être très utile plus tard dans le jeu. Par exemple, pour le deuxième combat contre Yone, qui peut vous empoisonner avec ses morsures, donc là, et vous faire très mal en plus. Hein. Donc. Est-ce que je prends une herbe bleue? Non, vous voyez, c'est là pour le moment. Donc là, j'ai juste à aller récupérer. Le livre rouge. La trousse de premier secours, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je crois que c'est une herbe bleue, hein. C'est vert et bleu.
Hop. La safe room pour déposer. Alors. Donc là, hein, passez bien sur les caisses. Tout simplement. D'ailleurs, là-bas, le plan qu'on voit au fond, qui était près du trou, c'est le seul plan qu'on prendra du jeu, hein. Puisqu'on est obligé de le récupérer pour justement ouvrir l'accès au trou pour pouvoir foutre l'insecticide. Donc là, en résidence, le truc à gon, c'est qu'une clé ouvre une porte. Donc c'est vraiment facile parce que, voilà, faut juste trouver la première salle qui est ouverte. Vous trouvez une clé, ça ouvre une porte, et ainsi de suite. Vous pouvez pas vous tromper, chaque clé permet d'ouvrir qu'une seule porte. Voilà, comme ça. Rien de compliqué. Donc là, on vide la baignoire, on va récupérer la clé de la salle de contrôle. Et on va aller voir les dents de la mer. Nos amis, les requins. Donc là, le pendu qui est descendu. Donc pareil, dans cette pièce-là, vous pouvez trouver le pistolet d'autodéfense qui a une seule cartouche, hein, qui fait mal, hein, qui est bien utile, mais qui a qu'une seule cartouche, mais que vous devrez obligatoirement avoir si vous comptez faire le trophée avoir toutes les armes. Voilà. Comme pour le lance-grenade, c'est pareil. C'est parce que vous avez le lance-grenade que ça va débloquer. Non, pour le lance-grenade, il faudra l'équiper avec les trois types de grenades, donc les grenades explosives, acides et incendiaires. Pour que ça soit pris en compte pour le trophée. Bon, on est pas mal là pour le moment, j'ai envie de dire. On est pas mal du tout. Alors, évidemment, pour cette run, il y avait une autre technique, bon, moi, du coup, qui empêche de débloquer un trophée en même temps. C'est que vous pouvez très bien la faire, histoire d'être safe, hein, chose que moi, je ne vais pas faire, parce que je suis un fou furieux, je suis un débile. Mais, vous pouvez très bien faire des sauvegardes, hein.
honnêtement, genre avant chaque boss ou voilà, prendre une garantie, une assurance quoi. Moi honnêtement, hop, bah, c'est poussé. Je ne le fais pas parce que voilà, je me dis en débutant couteau, voilà, pour moi c'est passé à l'aise, hein, même le premier boss, le Crimson Head, sans problème quoi. Donc voilà, vous après c'est vraiment propre à chacun de. Donc là, l'ami Richard qui s'est fait bouffer, on a passé la cinématique, mais il s'est fait bouffer, hein. Logiquement, on devrait du coup pouvoir retrouver son fusil après, une fois qu'on aura vidé l'eau. Donc moi, ce que j'aime bien faire direct, la 3, ok. Donc là, lui, il s'énerve, il est pas content, voilà. Emergency, emergency. Unknown source of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Reaching 30% of pressure threshold. Voilà, on a baissé les volets. On vide la flotte et c'est réglé, on n'en parle plus. Ok. Donc là, on va récupérer l'autre clé. Donc là voilà, donc là on a atteint l'heure de jeu à peu près. Ouais, il reste tout le monde, hein. Voilà, on va être à une heure pile. Et on va dire qu'on est là, à ce stade-là, on a à peu près la moitié du jeu. Voilà, donc là le fusil à pompe de Richard, hein, c'est bouffé. Ouais, c'est vrai qu'avec Chris, contrairement à Jill, le fusil à pompe de Richard, on l'a très très tard. Hein. Limite, on peut avoir le magnum avant. Quoi.
Donc là, on remonte. On fait gaffe parce qu'on a toujours un zombie dans cette pièce. Voilà. Sans difficulté. Que c'est trop dangereux, mais si cette caméra arrêtait de me troller un peu. Hop. Ça m'arrangerait. Là on retourne dans la galerie. Alors moi par contre ce que je vais faire, ça va peut-être me prendre un peu plus de temps. Je vais aller combiner parce qu'il me restait un mélange d'herbe bleue et verte dans la safe room. Donc on va aller déjà déposer ça et l'assembler. Ah, j'aurais dû peut-être me débarrasser de mon bouquin aussi avant. C'est pas trop gênant. Alors, il est là. On va faire déjà. On va combiner ça. On va prendre ça et ça. 4, hein, logiquement, c'est largement suffisant pour ce boss, qui est pas bien compliqué, qui est juste chiant à toucher, mais qui fait pas énormément de dégâts. Mais qui est chiant à avoir. Et donc là, pareil, logiquement, qu'on avait sauvé Richard et que là, il vient de se faire bouffer. Si mes souvenirs sont bons, on ne contrôlera pas Rebecca pour aller faire le G-Volt. Normalement, elle le... En fait, elle le fait toute seule, quoi. Si mes souvenirs sont bons, hein, je peux me tromper. Tac. Okay.
Hop. Et donc là, logiquement, j'en ai 4. On rééquipe le couteau. Et ça devrait être bon. Attendez. J'affiche juste un truc quand même. Ok, ouais, on saute. Ok, allez. Donc, la plante en deux. Et là, voilà. Donc, du coup, en fait, on... On s'est fait des... C'est chiant à toucher cette fois. Allez. Bon ça, je suis dans... Jaune encore. Moi la paix. Là on va être... Non c'est bon. Raté. Là ouais, on va prendre un spray. Putain de plante à la con. Allez, oh. Touchable cette plante là. Comment ça va, ça entre dans le verre. Bon, bon, ça me gonfle la plante là, hein. Putain. Cette plante de dobasse, quoi.
Mais là, on va cracher cette plaque. Hein. Putain, je vais pas réussir à tuer quoi! Putain. Quoi? C'est pas bon quoi? Non, non. Putain. Eh B. Putain, ce boss au couteau, mais il est chiant. Bon. Bon, bah, c'était un peu laborieux quand même là. Même totalement. Hein. You scared me. You okay? Yeah, it's dead. C'était un désastre, hein. Du coup. Du coup, je vais être obligé d'aller chercher une plante verte avant de partir. Donc juste là. Parce que là, j'ai quand même claqué pas mal de soins pour cette fichue plante. Ah oui, on avait plein de bleu juste là aussi à la sortie, c'est vrai. Alors là. Non. Non. Putain. Mes couilles, hein. Excusez-moi. Mais ça fait chier. Ça fait chier de claquer ça pour... Alors, casse-toi, toi. Fait chier.
Bon, là il y a du spray, ça c'est cool. Le médaillon, je réfléchis. Est-ce que j'ai besoin de le reprendre maintenant? C'est toi le meilleur, allez, merci la taupe. Bon, allez, alors là, par contre, là, le pire moment du jeu, le moment le plus infâme, où vraiment je me tâte limite à balancer une sauvegarde. Donc c'est ce Hunter en fait qui m'avait trollé la dernière fois. Cet enfoiré avait bondi de façon ahurissante sur l'escalier. Et j'ai été extrêmement déçu. Attendez, je regarde juste un truc. Ok. Bon alors du coup on va déposer ça on va le garder parce que ça peut être pas mal. Et là maintenant. C'est maintenant que tout se joue. Tu pouvais pas me faire ça la première fois, non. Ça m'énerve. Bon bref, c'est pas grave. Bon, 1h20, on est pas mal là, j'en ai ouais, on a fait un peu plus de la moitié là. Bon, par contre, faut vraiment pas que je me craque hein. J'ai vraiment le droit à zéro erreur. Bah oui. C'est pas amusant sinon si je ne suis pas empoisonné. Prends ton temps, j'ai toute la journée.
Ah d'accord, en fait, donc dans l'eau, en fait, c'est considéré comme... comme un escalier. C'est bon à savoir. Par contre... Ouais, va te faire voir. D'emplacement. Et ça, c'est chiant. Parce que là, j'ai la batterie à récupérer. Ouais, c'est ça. Bon, on va prendre ça. On va prendre la batterie. Alors là, par contre, attendez, ce que j'essaie de me souvenir. J'ai la batterie. Comment on fait pour ressortir, pour aller activer le... l'ascenseur. Ah oui, non, je sais ce que je vais faire. Je vais aller... Oh, ce con, il a tabassé son pote. Tant mieux. Allez, logiquement. Allez, on va dire que normalement c'est suffisant. Non.
Bon, tu crèves ou... Mon Dieu! Eh bé! On kikine, hein, ce machin. Je suis emmerdé parce que ayez plus de place. Il n'y a plus de place. Bon bah tant pis hein. Merci, merci. Je crois que c'est peut-être un des boss les plus simples. Hein. Tiens, hop, un trophée. Ouais, chronique des vents vivants. Donc là, bah tant pis pour les plantes, hein. Honnêtement, j'ai plus peur des hunters que des boss, hein. Clairement. Là, ce serait bien si je trouve une safe room quand même pour pouvoir entreposer. Ça serait pas mal si je pouvais trouver un endroit pour déposer mes affaires. Alors. Donc ça pour moi j'en ai pas besoin. Ça je vais le déposer. Est-ce que je prends un mélange d'herbes de 3. Attendez, 2 secondes. Hop. Ah oui, normalement ici j'ai pas besoin de couteau, exact. Exact. Là il va falloir que je monte. Non, que je traverse le couloir. Ah non, il remonte. Attendez.
Parce qu'en même temps, ouais, honnêtement, hein, je l'avoue, j'utilise en même temps un petit guide pour essayer de comprendre. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça à récupérer. Ok. Parce que vraiment, en fait, là, j'utilise vraiment un guide parce que rendu à cet endroit, j'ai beaucoup de mal dans le cheminement, vraiment dans l'ordre. Et voilà. Après, c'est le but, c'est pas vraiment de faire, enfin, vous montrer. Je vous l'ai dit, je suis pas vraiment un expert de Resident Evil. Grosso modo, je me débrouille plutôt bien, mais là, vraiment, le but, c'est de suivre vraiment le meilleur cheminement pour réussir la partie, donc couteau uniquement et sans sauvegarder. Je préfère assurer avec une vidéo d'un mec qui l'a déjà fait et m'aider de ça plutôt que foncer tête baissée pensant savoir, pensant connaître tout le jeu et au final crever bêtement et là avoir perdu 1 heure et demie pour rien quoi. Du coup, alors, combiné. Je vais déjà faire ça. Hop. OK. Donc là en fait donc là pour expliquer donc je dois passer par dehors pour accéder plus rapidement à la porte Spencer. D'ailleurs faut que je fasse gaffe qu'il y a encore un hunter dans cette zone là. Yeah.
Mais on va pas le récupérer tout de suite. Ok, bon, j'ai juste une plante. On va déjà aller remettre la batterie. Et en fait, ce passage-là de Mars Spencer, on le fera vraiment au dernier moment. En fait, quand on viendra de l'extérieur, on prendra le médaillon, on prendra le petit embout métallique, là, le contour métallique. Et voilà, comme ça, après, on n'aura plus besoin de revenir dans ce secteur. Donc là, on va faire en fait toute la zone de la grotte. Histoire de vous expliquer un peu. Donc là, logiquement, c'est le dernier passage avec les serpents. Ça va, j'ai pas été empoisonné. Au pire des cas, c'est pas trop grave si je me fais empoisonner dans ce sens-là, puisque j'ai des plantes à sortir de l'ascenseur. Voilà, donc là, c'était moins gênant que tout à l'heure dans l'autre sens, quoi. Donc là, les chiens, faut faire gaffe. On met ça rapidement. On va réactiver. On va remettre l'eau ici pour pouvoir dégager l'entrée de la grotte en fait derrière la cascade, derrière la chute d'eau. Puisque du coup on a plus besoin d'y accéder puisque. Comme on a remis la batterie donc dans l'ascenseur, on peut, grâce à l'ascenseur, accéder à l'autre zone. Donc, on va pouvoir y repasser et entrer enfin dans la grotte. Salut Médor, donc là pareil, hein. Pas de crainte à avoir, ils sont bloqués, ils ne rentrent pas dans le tunnel, faut pas vous suivre. Ok. Je sais même pas quelle heure il est. Il est 16h, ok. Salut toi. Salut le Hunter. Du coup, est-ce que... Okay, pas totalement. Mais... Alors là, en débutant, je sais pas s'il y a toujours les deux Hunters. Ici, non, il y en a qu'un. Bon, tant mieux. Voilà, facile à éviter.
Alors, là, la plante bleue, je vais la prendre. Ou pas. Je vais prendre la plante bleue, hein, ce que j'ai dit, voilà. Ça me fait encore un truc complet. Voilà. On va s'équiper du couteau. Bon, arrête. Lance-flamme, faut le prendre ici ou pas? Alors là, par contre, avec Chris, c'est pour ça que je regarde, parce que ici, je sais plus du tout. Je crois que je ne suis jamais arrivé jusqu'ici avec Chris, donc c'est pour voir le. Ah, c'est les cartouches de fusil à pompe, on s'en fout. Tac, voilà. Voilà. Je l'ai pas ramassé, non, tant que je l'équipe pas, hein. C'est. Je l'ai pas équipé. Là en fait je l'ai ramassé parce qu'en fait j'en ai besoin pour déverrouiller des portes, hein, tout simplement. Là, le lance-là, moi j'en ai besoin pour déverrouiller les portes. Voilà, moi le lance-là, j'utilise juste là pour déverrouiller toutes ces portes-là. Hein. Je ne vais pas l'équiper, je ne vais pas l'utiliser, bien évidemment. Avec Chris, je suis obligé. Ouais, moi aussi, hein.
Et encore, c'est mal expliqué, parce que tu pourrais en équiper une. Tu te dis, bah tiens, je vais faire le trophée aussi d'équiper toutes les armes, parce que pour le trophée des armes, faut juste l'équiper, tu vois. Pour le trophée des armes, t'as juste besoin de l'équiper, t'as pas besoin de les utiliser. Mais du coup, sur le couteau, c'est marqué n'utiliser que le couteau. Alors, est-ce que si tu équipes une arme, ça te bloque ou pas, tu vois, c'est... C'est tendancieux, quoi. Hop. On ramasse. Il me semble qu'il y a une trousse de soins. Voilà. C'est un spray? Ouais, ok. Que je vais utiliser maintenant. Je vais essayer de garder au maximum mes mélanges d'herbes. Pour la suite. Si jamais je trouve une herbe rouge, par exemple, hop, tac, pour la combiner. Ok, là ensuite j'en étais où? Donc là de toute façon faut que je revienne en arrière. Tout simplement faut que je traverse la... Garde la pêche, toi, le... ouais, c'est ça.
Là pareil, on a Hunter, on s'en fout. Voilà, 4, 2, 3, 1. Toujours le même code. D'ailleurs, je me demande si là je pouvais pas garder le lance-flamme. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû ramasser la l'herbe rouge avant. Parce que moi qui me reste de slot. Là je vais juste voir d'abord. Y'a quoi? Ruban de sauvegarde, chargeur. Donc non, je m'en fous. Oui, bien sûr. Non. Je me suis pris l'aller-retour, d'accord. Pourquoi pas. Ok, donc là on va arriver sur les 2 heures de jeu. On n'est pas loin de la fin, mais par contre je pense pas avoir le temps derrière de relancer avec le chill en moins de 3 heures. Sinon ça a pris plus de temps que je ne l'aurais pensé. Que ça, c'est fun. Donc ça va être compliqué, je vais aller sûrement à... arrêter après après cette run. Et j'espère qu'en tout cas pour moi ça vous plaît ou ça vous aura plu.
Tac. C'est qu'il y a des plantes impeccables. Non, ça je vais pas le prendre. Sinon je vais me retrouver coincé. Je vais juste prendre la clé emblème, ça devrait suffire. Et j'ai quoi? Ouais. Je vais peut-être enlever un truc de... prendre les traits et voilà. Là, il faut juste retourner dans les gares. Hein. Ok, c'est bon. Je regardais niveau place en fait. S'il me restait. Si j'avais la place de prendre le médaillon quand même, ça compte faire un retour pour rien. Mais oui, j'ai laissé un slot. Ok, bon, il y avait un spray qu'il avait. Puisque là on n'y retourne plus, on la ramasse. Putain, il met deux coups quoi. Mais qu'est-ce qu'il est activé l'étagère quoi. Balance de l'étagère. Ouais bah désolé Rebecca mais... Hein.
Je ne peux pas venir te sauver. C'est juste pas possible. Ok. Hop. Donc là. Ouais, ciao, le Hunter. D'ailleurs, je pense que ce sera le dernier Hunter qu'on croisera du jeu. Je n'ai pas souvenir qu'on en est dans le labo. Non, dans le labo, on a l'espèce de géante là. Mais pas de Hunter, donc ce fut le dernier. Voilà. Désolé pour les amoureux de Hunter. Allez. Hop, attendez, 2 minutes, faut que j'aille mettre mon téléphone en charge. Tac. Hop. Hop. Et hop. Ok, c'est bon. Allez, au revoir, Lisa. Maman. Cette histoire est ultra triste, n'empêche. Hein. À la base, c'est Yami et le père qui s'amusait à faire des expériences sur elle, quoi. C'est juste immoral et immonde, quoi. C'est. Allez, arrivé au labo.
Dernière ligne droite, les amis. Dernière ligne droite, on y est presque. On a presque réussi cette run. Allez, alors là c'est quand même, il reste encore deux phases délicates quand même. Il reste la phase avec la capsule là d'énergie. Et et le boss, évidemment. Donc là, pour les logs, John, le mot de passe, Ada. Et quand il redemande le mot de passe pour le B2F, c'est Cell. C'est E2L. Cellule, en anglais. Allez.
Alors, vu que ça change à chaque fois. Ouais, c'est clair. Putain, c'est quoi le code là? Non, je peux pas. Bon, attendez. Alors, j'ai fait 8, 4, 6, 2, ça marchait pas. Hein. 8, 4. Ok. Faut pas chercher à comprendre des fois, hein. Ouais, mais alors, en fait, du coup, je regardais un truc. Hein. Il a pris parce qu'en fait, lui, il faut que je tue, sinon, il va m'emmerder quand je passerai avec le. La capsule. La capsule d'énergie, donc. En fait, j'ai pas de chance. Parce que je l'ai toujours pas transformé en fait. Non, bon. Peut-être qu'il se transforme plus, hein. Un peu. Qu'est-ce que j'avais? Est-ce que j'ai encore des herbes vertes? Non. Salut, Onibuni. Ah, mais attends, non, je peux pas ramasser encore une clé.
Donc là, pareil, hein, j'explique pourquoi je les tue. Parce que, encore une fois, en fait, la capsule... que je viens de récupérer... je vais devoir la charger en énergie. Et le problème, c'est que quand on l'a avec l'énergie chargée, alors attends. C'est le remake HD, il vaut le coup. Je suis sur version 2 à voir. Donc, ouais. Ah oui, le remake HD est juste génial. Hein. Surtout que il y a le Resident Evil 0 donc qui est aussi en cours de réalisation par Capcom. Et on a également eu la confirmation que ils feront le Resident Evil 2 pareil en remake. Ah ouais. Hello Romimu, je me demandais quand est-ce que tu allais venir. Salut Romimu. Donc comme tu vois là, je suis sur la run bon facile hein. Sans sauvegarde et uniquement le couteau. Donc on est plutôt bien. Là je suis plutôt bien. J'ai pas perdu de vie, quasiment pas. Donc là on va aller charger la capsule. Normalement là au retour le zombie devrait s'être transformé en Crimson Head. Oui, bad ending hein. Là je me prends pas la tête en mauvaise fin hein. Je pense que je vais être dans le rouge. Non, pas encore. Il est mort. Par contre, où est-ce qu'on charge la capsule déjà? Ah oui, non, c'est bon. Si je dis pas de bêtises, c'est dans... normalement c'est ici. Ouais, c'est là. Alors par contre, je vais juste, avant de faire ça, je vais juste récupérer du soin. Qu'il y avait ma safe room. Oh merde, elle est loin. Bon, c'est pas grave, j'ai un peu de retard. Ouais, donc voilà, on va être à peu près à 2h40 pour la run en débutant, hein, évidemment. Hein. J'ai pas fait non plus en normal. En normal, j'aurais pas mis autant de temps, je serais pas aussi bien sorti, je pense. Donc voilà, donc là, je suis en débutant sur la run Only couteau et zéro sauvegarde. Ce qui va me permettre de débloquer pas mal de trophées sur cette run. Ah, la PSK, j'ai depuis un moment, mais ouais, ok, bah écoute, je t'envoie ça ou mets-moi plutôt ton gamer tag là dans le chat. Comme ça, ce sera plus simple pour moi pour t'ajouter. Là, je réfléchis.
J'ai plus de clés à ramasser de toute façon. Logiquement, non. Mais moi, ton gamer tag, comme ça, au pire, là, tant qu'on est. Tant que je l'ai là sous les yeux. Voilà. Z-O-G-G-Y, The Forest VR. Alors, attendez. Voilà, donc je t'ai envoyé une demande d'ajout. Et moi, du coup, je vais aller charger la capsule. Et on sera pas mal. Donc, le Crimson, il est mort. Donc déjà, on sera pas emmerdé. Les libellules, là, mortes également. Logiquement, là, j'ai la voie de libre. Ouais, non, je vais pas courir, je vais même repasser sur le... Je vais même repasser sur le... Les comment... La direction de base. Pour être sûr de pas courir. Et j'ai tué, de toute façon je crois qu'il y a que 3 libellules en débutant dans la zone, je les ai tués. Le Crimson, le zombie qui pouvait me faire chier, je l'ai tué, donc une fois normal, une fois en Crimson Head. Donc là, logiquement, il me reste plus que qu'une fois le tyran et on devrait être bon. Ouais bah c'est dommage que t'étais pas là pour la partie où je où j'ai fait le prototype Crimson Head. C'est on joue au chat à la souris hein, c'était. Enfin, moi je me suis marré un peu tout seul dans mon coin mais c'était assez sympa. Allez. Donc là, ok, donc ils étaient bien tous morts. Ah ouais, bah ouais, carrément, c'est vrai que... Ouais, j'ai pas pensé, je me suis dit, ouais, en plein après, comme ça en semaine, ça se trouve, les personnes travaillent ou autre. Donc ouais, mais pas de soucis, de toute façon, je... Mais au pire, on pourra même voir pour que tu reviennes. Hein. Parce qu'il me reste le mode invisible et le mode survie vraiment à faire après en hard. Et le mode normal en moins de 3 heures, histoire de se débloquer. Bon là, je fais pas chier. Hein. C'est, on s'en fout. On trace. On va activer l'ordinateur. Rien branlé de ces lumières. Là, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à passer sans me prendre de coups. Mais il y a sur PS4 ce mode avec le mode forest. Parce que je sais pas comment on le débloque dans ce cas-là.
Je me suis gouré de porte. Bien joué. Et l'ascenseur tout droit. Parce que je me rappelle plus comment on fait pour le débloquer ce mode. J'en ai entendu parler justement. Où si tu le tues, c'est game over. Enfin, c'est. C'est assez chiant. Heureusement que ce mode là, on n'a pas besoin. Il faut finir en normal avec Chris et Jill et que tu relances. Une run. Ok. Ouais, mais bon, ce mode-là, je suis pas obligé de le faire pour les trophées et pour les platines, donc... je m'en passerai du mode forest. Déjà que j'ai quand même survie et invisible à faire, hein. En mode stalking... Allez, la dernière épreuve. Trop belle couille, hein. Sérieusement? Sérieusement? Non mais oh! Non mais parce que je suis en débutant qu'il est aussi teubé. Rassurez-moi. Mais ouais, non, mais c'était abusé. Il m'a même pas spot une fois. Ah ouais, bah là... il a pris son bras mutant, puis il se l'est carré là où je pense, hein. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à s'enfuir et à moi tous les trophées. Bon, là, je vais avoir normalement au moins 4 trophées, je pense, qui vont tomber. Eh, t'as vu ça un peu mes esquives là, je me suis amélioré hein, comparé à la première fois où on avait run le jeu ensemble. Hein. Allez, ça y est. C'est fini. C'est bon. Bon là par contre, faut pas qu'il y ait une coupure de courant ou un truc à la con parce que... De quoi j'ai pas pris la clé ? Si, oh, elle me fait pas peur, toi. Hein.
Bon allez, je dirais merci, merci. Je dirais 2h20, je pense. 2h20, peut-être pas. 2h30. Je pense que j'ai au moins 2h30. La run a dû me faire 2h30. Je vais être sur du 2h30 facile. Allez, bam, c'est parti, trophée, c'est parti, un homme d'exception, bad cop, upper Chris, skills. you did a fine job. Voilà. 2h31, voilà, et course... Et ça y va. Attendez. Viens de voir. Ah oui, mais non, je suis con. J'allais dire, je viens de voir Running Man et les trophées liés normalement au Samurai Edge et au Lance-Roquettes Illimité. Mais oui, mais c'est parce que j'ai fini le jeu en moins de 5 heures et en moins de 3 heures. Mais normalement, ça va pas déverrouiller les armes bonus. Non, voilà. Ça ne nous a pas débrouillé, ce serait trop abusé. Non, c'est qu'en normal. Voilà, données complétées par-dessus. Et bien voilà pour cette run, donc 2h30. Relativement correct. Tac, bon, ça me charge encore des trucs, hein. Ouais, normal. Toi-même, tu sais, bah ouais. Donc, il faudra que je le refasse encore une fois en normal. Bon, là, tranquille, hein, ça sera avec. Avec Jill, avec les armes et tout ça, hein. Je me prendrai pas la tête, hein. En moins de 3 heures, c'est faisable. Même tant pis, peut-être que je m'y prendrai deux fois, peut-être que je ferai d'abord le moins de 5 heures et après le moins de 3 heures, mais je pense que mes esquives sont plutôt bonnes, elles sont meilleures que la dernière fois, même si à mon avis, je pense qu'il y en a certaines, il faut encore que je m'améliore. Mais bon, j'ai eu de la chance, hein. Il y a eu des esquives qui ont été faites, j'ai dit putain, ça passe, je sais pas comment quoi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. On était environ une petite dizaine, donc c'est cool. Moi je vais vous quitter là. On se retrouvera sûrement, peut-être dans le week-end si j'ai le temps pour essayer de vous faire la run en moins de 3 heures. Sinon, courant semaine prochaine, enfin, on verra. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée également. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!